Le Togo dispose d'énormes potentialités pour le développement de son agriculture. Beaucoup ont compris qu'investir dans le secteur agricole contribuera à la création de la richesse et partant à la lutte contre la pauvreté. Et nombreux sont-ils à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Pour entreprendre selon les acteurs du domaine, plusieurs démarches sont à suivre. Cet entrepreneuriat agricole suppose que les jeunes doivent savoir faire des comptes d'exploitation, doivent pouvoir gérer leur structure et vraiment en tirer profit et profiter des nouvelles technologies aujourd'hui qui sont mises à la disposition de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Avec l'entrepreneuriat agricole, on peut absorber beaucoup de main-d'œuvre, d'autant plus que l'Afrique continue toujours par importer sa nourriture. Et nous estimons à près de 80 milliards par an d'importation de nourriture parce qu'il manque des usines pour transformer ces produits agricoles. C'est le moment précis où nous devons nous concentrer sur la mise en place des programmes afin de former les jeunes à saisir le métier de la terre et devenir entrepreneur agricole. L'entrepreneuriat agricole constitue également la chaîne de valeur qui part de la production à la transformation en passant par la commercialisation. Malheureusement, faute de moyens, certains entrepreneurs n'arrivent pas à suivre le processus et s'exposent à certaines difficultés. Nous avons les terres qui ne sont pas exploitées, 100 millions d'hectares. Les jeunes qui veulent s'adonner à l'entrepreneuriat agricole, ils peuvent choisir des spéculations qui ont des périodicités. Il y a des moments de pénurie de ces produits sur lesquels les entrepreneurs agricoles peuvent se concentrer et pouvoir tirer profit. La production agricole en dessous du seuil de 5 hectares n'est pas rentable, surtout pour la production céréalière. C'est pourquoi il est très important que ces jeunes qui veulent s'adonner à l'agricole, c'est un travail à temps plein. Il faut qu'ils puissent maîtriser non seulement la production, mais la distribution. Vous pouvez aussi transformer. Le gouvernement togolais fait de son mieux pour accompagner les entrepreneurs agricoles. Cependant, du chemin reste encore à parcourir. On a des problèmes de financement. Il faut quand même qu'il y ait des fonds pour soutenir ces productions agricoles destinées à nourrir quand même une population qui, de jour en jour, s'agrandit. Si vous voulez produire, faire un entrepreneuriat agricole, il faut vraiment, vraiment créer une structure, sortir de l'informel. L'État joue son rôle régalien, essaie d'appuyer les producteurs tant que mal, essaie de faire, les bailleurs de fonds sont aussi là, mais je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est de s'appuyer sur la production agricole intensive et réfléchie, surtout par un entrepreneuriat agricole. Entreprendre n'est pas chose facile. Pour réussir et éviter les dépenses et les dettes, les jeunes sont invités à se diriger vers les structures dédiées pour plus d'informations et de conseils. Comment gérer les enfants, surtout les tout petits, pendant cette période des vacances pour leur permettre de tirer meilleur profit à cette inquiétude? Voici la réponse de la psychologue Olivia Gamato qui propose d'initier des activités éducatives et extrascolaires. Pour aider les enfants à stimuler leur intelligence, nous amenons les enfants à apprendre à la lecture par exemple et à savoir qu'il y a d'autres sources de connaissances en dehors des tablettes ou de la télévision. Des activités artistiques également pour permettre aux enfants de développer leur créativité et de savoir qu'ils sont capables de plein de choses, de reconnaître leurs propres valeurs et de pouvoir assumer en tout temps et aussi à l'avenir de pouvoir assumer face aux multiples difficultés qui s'offrent au quotidien. Nous avons également l'atelier cuisine où les enfants apprennent également à faire plein de choses, où les enfants développent le goût de la cuisine et à travers ça les enfants et adolescents arrivent toujours à développer leur estime de soi et leur créativité, l'amour pour l'entourage également. Au-delà, il faut également permettre aux élèves de se divertir et de se détendre à travers la pratique de divers jeux.
Ces jeux participent au bien-être psychologique et mental de l'élève. Rendre ces vacances utiles, occuper les enfants autrement, leur donner le temps d'aérer leur esprit, et de mettre un peu de côté les cahiers, d'apprendre et de découvrir autre chose de la vie pour avancer normalement et acquérir un équilibre psychologique également pour pouvoir affronter la vie avec ses multiples facettes. À travers ces activités-là, nous arrivons à mieux découvrir leurs enfants, nous arrivons à mieux leur connaître, nous arrivons à déceler leurs souffrances, leurs difficultés, parce que les enfants n'arrivent pas toujours à exprimer tout ce qu'ils ressentent et ils gardent ces souffrances-là jusqu'à l'âge adulte. Nous faisons l'évaluation psychologique des enfants à travers chaque activité. Pour un meilleur encadrement des enfants pendant cette période des vacances, voici donc des conseils utiles à mettre en application. La variole aviaire est transmise le plus souvent chez la volaille par contact direct ou indirect à travers le matériel souillé ou les aliments contaminés. Mais il y a une autre forme de contamination. Elle se fait surtout de façon mécanique par les piqûres de moustiques, mais aussi d'un animal malade à un animal sain. Voilà les trois modes de transmission de la variole aviaire. Cette maladie virale est répandue surtout dans les pays tropicaux. Elle touche de nombreuses espèces domestiques et sauvages. La variole aviaire se manifeste sous diverses formes selon les vétérinaires. Les signes cliniques se manifestent sous trois formes. Il y a d'abord la forme sèche, appelée variole cutanée, qui se manifeste par l'éruption de papules, de boutons, de croûtes sur les barbillons qui vont se développer, empêchant les oiseaux de bien manger. Et il y a une forme diphtérique qui se caractérise par la formation de membranes dans la bouche qui va gêner justement la respiration, parce que cela va fermer justement les voies respiratoires. Et ceci entraîne une perte du poussin. Il y a aussi la forme coryza variolique qui atteint surtout les poussins. Au niveau des yeux, il y aura des boutons. Et là vient se greffer justement une autre pathologie, le coryza. Et malheureusement, cela va compliquer le tableau clinique. Il n'y a pas un traitement spécifique pour la variole aviaire. Le seul moyen est la prévention. Elle se fait non seulement par l'adoption d'une bonne hygiène alimentaire, mais aussi par la vaccination périodique. Il faut une hygiène de l'alimentation, il faut une hygiène de l'environnement immédiat des volailles, il faut éviter les surinfections, il faut éviter la souillure des aliments, il faut éviter toute contamination extérieure. Il y a des vaccins. Et ces vaccins, justement, sont utilisés par injection à travers la membrane alaire. Cette intervention doit se faire le plus tôt possible pour favoriser une bonne immunité. Ce qui est recommandé, c'est surtout faire un traitement symptomatique avec des antibiotiques vitaminés pour éviter les surinfections bactériennes. Vous pouvez, avec une solution de bétadine, faire des attouchements sur ces croûtes. Cela va permettre justement une cicatrisation éventuelle pour hâter la guérison au niveau de la crête, ou du moins au niveau de l'animal contaminé ou qui fait la maladie. Et en faisant un traitement antiseptique sur les croûtes, avec une solution de bétadine, d'un antiseptique, par exemple la bétadine jaune, vous faites un attouchement sur ces croûtes, cela aide beaucoup à la guérison. Des conseils pratiques à mettre en application pour lutter contre la variole aviaire. Les éleveurs sont aussi invités à consulter les spécialistes du domaine au besoin.
Une chose est de porter des verres médicaux pour corriger un défaut visuel, une autre est de les entretenir. L'entretien des verres médicaux respecte certaines règles d'hygiène selon les opticiens. Une fois que les verres sont reçus, l'essentiel c'est de bien les porter d'abord. Et l'environnement dans lequel vous portez les verres, avec son entretien, il y a trop de poussière, tout ça. Donc, il faut utiliser des produits qu'il faut recommander par les opticiens pour pouvoir faire l'entretien. Donc, on ne nettoie pas avec n'importe quoi. Quand vous avez les verres, il y a un tissu que l'opticien vous donne et avec ça seul que vous pouvez nettoyer les verres. Nous avons des sprays que vous devez appliquer sur les deux faces des verres avant de pouvoir nettoyer pour éviter les rayures. Il ne faut pas exposer les verres aux sources de chaleur. Des fois, on a les verres avec les clés, on sort, il y a la clé à la main, les lunettes sont là. Alors que les lunettes sont faites pour être dans la boîte. Porter des verres médicaux sans prescription d'un spécialiste du domaine, c'est s'exposer à des risques. Avant tout achat des lunettes médicales, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste et par après, un opticien. D'abord, les lunettes sont portées pour pouvoir se protéger et pour corriger les défauts visuels. Je parle des défauts visuels ici, la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'asthmatisme. Nous avons différents types de verres. Nous avons les verres unifocaux destinés à voir de loin ou de près, les verres bifocaux qui permettent de voir et de loin et de près, les verres progressifs qui permettent de voir à toute distance. Donc, tous ces différents types de verres sont traités et pour avoir une qualité supérieure. Ce qui fait que quand vous portez les verres, vous n'avez pas de problème. Quand on a le problème d'yeux, il faut s'adresser d'abord à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est ce médecin qui va vous consulter, déterminer le type de problème que vous avez. Et c'est en fonction du problème qu'il va vous prescrire les verres. On ne se lève pas et on va au marché acheter des lunettes comme ça. Ce n'est pas bon. Vous pouvez choisir une paire de lunettes au marché que vous portez. Vous allez penser que vous arrivez à lire, mais ce que ça cause, ce serait très grave. Quand vous portez une prescription qui dépasse ce que vous devez porter normalement, vous allez faire encore plus d'efforts pour pouvoir lire. Les nerfs seront fatigués, les yeux seront fatigués, ce qui va endommager d'autres problèmes. Des conseils à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Des contrôles doivent être régulièrement effectués en respectant le calendrier établi par les opticiens.